Wesh les potos, petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf. Merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs. Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Srokoolo Mike et dans cette vidéo je vais vous aider à réaliser le défi qui est d'infliger des dégâts à des adversaires à cover une caverne ou alors au sanctuaire. Alors, cover caverne c'est juste ici, il est noté sur la map, hein, juste ici, ou alors vous avez le sanctuaire. Moi ce que je vous conseille quand même c'est d'aller à cover caverne parce que vous aurez beaucoup plus d'adversaires qui seront présents et je pense que le défi est faisable avec les personnages non jouables, donc les PNJ, donc les petits bots qui se baladent dans cover caverne. Donc ce que vous allez devoir faire c'est tout simplement trouver une arme, déjà hop, et un petit pompe ici, parfait. On chope le pompe, on chope des armes, ensuite vous rentrez dans cover caverne et regardez là c'est un adversaire, logiquement c'est compris comme un adversaire, donc vous lui tirez dessus, hop je lui fais 164, 141, 141 dans la tête, boum. Pour réaliser le défi, pour terminer le défi, il faut infliger 75 de dégâts, donc avec n'importe quel PNJ, si ça fonctionne avec les PNJ, bah avec n'importe quelle arme, vous pouvez facilement lui infliger 75 de dégâts. Si ça ne fonctionne pas contre les bots, donc les personnages non jouables, donc ces personnages-là, si ça ne fonctionne pas avec eux, il faudra obligatoirement infliger des dégâts à d'autres joueurs. Ou peut-être, si vous allez au sanctuaire, s'il y a un requin qui passe au sanctuaire, enfin, près de l'eau, ben vous pouvez aussi l'utiliser pour faire vos défis parce que le requin est compris comme un adversaire, ça c'est sûr. Après les bots là, les PNJ, je ne sais pas si eux sont comptabilisés comme des adversaires. Mais si ça ne fonctionne pas avec les PNJ, vous le faites contre d'autres adversaires. Et dès que vous aurez infligé 75 de dégâts à un adversaire, ben là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Donc voilà qui termine cette petite vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura été utile et qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, bah, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Srokoolo Mike et ciao. Peace.